sous la statue de Champlain. Quelques âmes sont nées par un nouveau Sina. D'immortel dessein Dieu les prédestina. Contre leur volonté, tout obstacle se brise. Ils marquent leur chemin d'un lumineux sillon, et sur leur chef flamboie un lambeau du rayon qui couronnait jadis la tête de Moïse. Dans l'ombre des berceaux, ces êtres surhumains sentent toucher leur front par d'invisibles mains, sentent tomber sur eux comme un baiser d'étoiles qui leur fait entrevoir les choses à venir. Car le mystérieux et muet avenir, pour les prédestinés, lève un coin de son voile. Dès leur prime jeunesse, ils cueillent des lauriers. À la fois laboureurs, apôtres et guéris, ces pros sont emportés par une ardeur divine qui leur fait accomplir les plus féconds travaux. Ils cherchent constamment des horizons nouveaux. Le combat les séduit, le danger les fascine. Disant à leur foyer un éternel adieu, au bout de l'univers, ils vont lutter pour Dieu. Et l'œil de Jéhovah avec amour regarde ces soldats qui se font de la croix un rempart. Partout du saint progrès, ils portent l'étendard et de l'humanité composent l'avant-garde. Ils rêvent d'agrandir la terre des aïeux. Pour les guider, sans fin brille un but radieux. Ils vont le front toujours tourné vers quelques cimes. Ils marchent et l'erreur devant eux disparaît. Ils parlent et l'on voit s'incliner la forêt, s'entrouvrir la montagne et frissonner l'abîme. Ils tiennent des flambeaux que rien ne fait pâlir. Ils ne soupçonnent pas ce que c'est que fléchir. Envers la mort les guette et la faim les torture. Ils combattent sans trêve. Enchaînés au devoir. Ces nobles vaillants semblent parfois avoir le culte du haillon, l'amour de la blessure. Nul ne peut conquérir de pareils conquérants. Et, comme à l'horizon quelques chênes géants, de mine de leur cime ondoyante et sereine, une futaie ombreuse et pleine de verdeur, les vrais héros chrétiens dépassent en splendeur les arbres les plus fiers de la forêt humaine.